Bonjour et bienvenue à Retro Gaming Arrache, Nico Voroff, et aujourd'hui, le retour d'un de nos testeurs, j'espère que vous en souvenez tous. Présente-toi. Ah salut, c'est Florent. Donc Florent, bah ouais, parce qu'on est sur Next Gen, donc PS4. Donc un test PS4, notre premier test, il me semble, sur la PS4. Non, en vrai, il y avait eu GTA 5. Non, on l'avait fait sur la, PS3 peut-être. Donc aujourd'hui, on va tout simplement faire un test sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Donc celui qui est sorti le 3 ou 4 février. Ouais, non. Bon, 2016. En tout cas, j'ai eu 3 jours à l'avance. Ah ouais? Si tu t'en souviens, j'avais mis une petite publication comme quoi je l'avais eu sur le mur Facebook. Avec la figurine de Kurama, Shusuke et Naruto. Ah, c'est cool ça. Réussi à le chiner au magasin un petit peu plus tôt. Bon, je vais passer à la cinématique, comme ça on va passer directement au jeu. On va passer au jeu. Ouais. Alors, vas-y, parle du jeu. Tu as joué un petit peu. Déjà, graphiquement, ça a l'air d'être une tuerie. Ouais, voilà. Bon, bah là, on est dans... Si les gens s'en rappellent, on est au niveau de... Quand, dans le manga, pour pas trop spoiler. Quand Sasuke revient pendant la guerre des ninjas, au combat contre Obito, voilà. Obito et Madara justement ils sont ensemble. Et, donc là c'est quand ils invoquent leur invocation et qu'ils vont détruire Jubi. Alors je ne sais plus le nom du crapaud. J'ai complètement oublié son nom. Moi aussi. Toi aussi bon, enfin, non, parce que là, en fait, en même temps, c'est le jeu, donc là, on doit détruire des clones de Jubi. T'en as plein, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de sprites à l'écran, on voit la puissance de la console PS4, quand même. Là, donc là, t'as les deux invocations. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est aussi sorti sur la Xbox One, hein, si je me trompe pas, hein, et, sur les deux supports de console. En fait, moi, j'ai toutes les consoles, donc... En Next Gen. Ouais, je suis un gros nouveau joueur de Next Gen. Alors explique les touches alors vite fait. Bon les touches c'est toujours le même, un carré pour taper, moi j'ai mis carré, normalement c'est rond, mais je préfère carré. Ça c'est plus pratique. Bon après c'est toujours le même quoi. Et un petit peu de gore, le gars il s'est coupé en deux, t'as vu? Oui. Le géant. Mais on va pas faire tout le mode histoire parce que j'aimerais bien montrer le mode libre. Ouais, on va regarder le mode libre avec les personnages. C'est juste pour montrer un peu l'histoire, comment c'est fait. Donc tu vois, il y a des... Ça, c'est des... Comme on dit, c'est les combats de boss. Donc on va avoir des gros boss, on va avoir des gros trucs comme ça. Et après... Voilà. Donc on va faire un test d'une dizaine de minutes. Tu vas montrer ça pendant 5 minutes à peu près. Voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait pu capturer directement sur la console, mais on a préféré filmer à l'arrache comme d'hab. Bah comme d'hab, c'est... Bon là, tu vois... Ah, tu vois ça. Alors je vois que tu peux appuyer sur le L1 et le R1. Ouais, ça en fait, c'est en fait t'invoques, tu sais, le serpent de Sasuke et la limace de Sakura en fait. Regarde, quand tu les invoques, ils arrivent sur le terrain. Ah oui, ouais, ils viennent te donner. C'est des strikers en fait. Hein. Et donc pour revenir au nom, c'est Gamakichi. Ah oui, c'est Gamakichi. De toute façon, c'était marqué en haut. Mais... Ah bah oui, qu'on est. Mais... C'est vrai, il a son nom en haut. Donc, ouais. Bon, sinon, Naruto, vraiment, cette année, j'ai adoré. Bon, en tout cas, on sait bien que c'est le dernier. Si les fans suivent vraiment la série. Ouais, ils avaient annoncé que c'était le dernier. On sait que c'est le dernier de la série. Enfin, on verra bien dans 2 ans, ils seraient capables de nous en reprendre un, hein, quand même. Mais en tout cas, pour avoir vu sur le net. Bah, pour avoir joué à tous les Naruto, je trouve que franchement, c'est un des meilleurs. Avec le Storm Génération. Moi je les envoie tous les noms en même temps, sauf. Voilà. Après t'as les trucs, voilà. Mais bon en tout cas, c'est une très grosse surprise ce Naruto. Donc pour tous ceux qui m'ont mis sur Facebook de la chaîne, ils ont pu voir que j'avais mis directement des vidéos sur mon mur Facebook 2-3 jours avant la sortie du jeu. Parce que j'avais pu le recevoir comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, bon bah comment dire, si j'ai pas été très présent sur ta chaîne, hein, c'est parce que t'as déménagé, on va dire ça. J'ai déménagé, point de vue professionnel. Voilà, point de vue professionnel,
Voilà, bon, on va faire un petit retour. C'était juste. Alors, on va regarder. Ah, ben on te voit, Flo. Ouais. Ah, bon, on voit aussi. Ah, bah, bonjour, vous voyez ce qui ressemble, Flo. Ah, ce que je vois. Toi, même, t'as déjà vu sur une vidéo. Oui, mais bonjour, mais j'étais pas encore comme là, tu vois. Ouais. Ah, bah, tu vieillis, tu vieillis. Ouais. Tu t'es mal rasé. T'aurais su, tu serais rasé aujourd'hui. Non. Je suis bien comme ça, j'aime bien là-bas. Je trouve ça de. Bonjour aux autres membres de Retro Gaming RH aussi, si vous regardez. Et à tous nos abonnés. Alors on va regarder un. Tu vas nous faire un petit versus et on va regarder un petit peu un Slip Shop. Qui nous ont mis comme beau monde. Alors il y en a vraiment. Il y a un perso que j'adore, c'est le Kakashi. En double Sharingan. Donc je vais le tester. Okay. C'est mon perso favori. Et après, attends, on peut voir les ennemis juste pour le plaisir. Alors t'as les ennemis, bon t'as. Tu vois, t'as le deuxième Shichikage, t'as Zabuza, ils sont tous en mode réincarné. Est-ce que les anciens, les 5 du son, sont encore là? Il y a Kimimaro. Vraiment, dans les, tout, quand Naruto était encore petit. Attends. Les 5 du son, est-ce qu'ils y sont? Alors là, non, tu vois, t'as le Naruto en The Last, c'est après avec tiré Boruto, des films. Voilà, tiré du dernier film. Ouais. Donc là, voilà, bon après t'as. Tu vois, t'as, ça c'est un peu ceux des. Ouais, c'est des personnages qui ont des cubis. Ouais. Ah, c'est ça, c'est hein. Ça. Tu vois, t'as Hanzo, t'as les Mizukage quand ils ont été réincarnés. On s'en souvient pour la guerre des ninjas. T'as Jugo. T'en as pas mal, hein. Oh ouais. Mais là, bon, je vais te montrer moi, mon deuxième perso avec qui je joue beaucoup. Justement, bon, on joue beaucoup à ce jeu-là avec les collègues en ligne, parce qu'on a tous pratiquement acheté. C'est Minato. Ah. Et Minato, tu vois, tu l'as en plusieurs, Jonin. Oui, tu as plusieurs formes. Bon, je vais le mettre en réincarné, j'aime bien jouer en réincarné. Et là, comme on peut voir, j'ai. Il y a le Naruto quand il est en mode Ermitri Kudo. Mais voilà, on va se battre contre les vrais ennemis, quoi. Mmh. Les ennemis de la série. Tu vois, t'as Nagato. T'as Kakuzu. Kakuzu que je joue beaucoup aussi. Kakuzu, ouais. Tu vois, donc tu l'as en plusieurs formes. Fondation de la Katsuki, tout ça. On connaît. Kakuzu, son histoire, tu vois, t'as Killer Bee, t'as vraiment des. Ouais, t'as tous les bêtes. T'as Danzo qui est cheaté. Ouais. Donc ouais. La technique. Mais déjà dans ceux d'avant, en jeu, il était un peu cheaté. Ouais. Pour la technique, pour les internautes, donc vous laissez fort taper avec Danzo, vous mettez en mode éveil, après vous appuyez sur les croix directionnelles, il y a son attaque spéciale quand c'est comme ça, l'OHKO pratiquement tout le temps. Donc, on va mettre qui? Ouais, Orochimaru comme chaque année est cheaté aussi. On va choisir. Bon allez. Bah mes peines non en ennemi. Tu veux mettre peine? Ouais allez mes peines. Peine. Daidara. Allez Daidara. On va mettre de la Katsuki. La Katsuki. Alors on fait ce petit match là, puis après on mettra une note. Ouais. Bon déjà moi je peux mettre la note hein, parce que je la connais. Alors, vas-y, décris graphiquement, musique, tout. Décris tout et s'il y aura un défaut, dis un défaut. Peut-être la répétition des combats, peut-être c'est répétitif, mais bon, c'est un bon combat. Attends, regarde. Ah ouais, tu vois, il a sous la note, tu vois, graphiquement. Là, je mets direct l'attaque spéciale, moi je commence comme ça, donc là, on peut voir que c'est Kakashi avec sous la note. Alors, allez, vas-y, dis musique. Bon, alors, musique perso, je les écoute pas trop. Ouais, putain, j'en ai quand même une deuxième. Et musique, j'ai. Sinon, très très bien, c'est les mêmes musiques qu'il y a pratiquement chaque année. Niveau graphisme, bien, mais. Ouais, j'ai amélioré. Je trouve l'histoire un peu courte. Ils auraient pu quand même le mettre avant la guerre des ninjas, quoi. Mettre, surtout le combat, tu vois. Il y a plusieurs combats qui manquent, qui sont épiques. Genre le combat contre Pen, tu l'as pas là. Non. Ouais, non, t'en as pas forcément. Et à ce niveau-là, est-ce que tout de suite là, il te manque encore des personnages hein, ouais. Bah après, t'as pas débloqué tout le monde. Il y en a beaucoup qui vont être en téléchargement. Avec des nouvelles. Donc des personnages payants. Non, moi je coupe Season Pass avec. Ah ouais. Attends, c'est. Bouge trop lui. Ouais, arrête de bouger. Et là, tu vois, tu peux le switcher sur. Comment ça s'appelle? Sur Minato. Très rapide dans le jeu. Ouais,
Tu vois, c'est vraiment, ça tient vraiment. Bon, on va essayer de se faire taper un maximum juste pour montrer le mode éveil. Voilà, tu vois, Minato avec son. Voilà. Non, après, niveau test, donc graphisme, on peut dire que c'est des très beaux graphismes. Ouais, ça va, hein, c'est bien. Je trouve, mais je leur donnerai 18, il y a des problèmes un peu de caméra aussi, tu vois. Bon, de temps en temps, on a des petits problèmes de caméra. Sinon, après, derrière. Derrière, comment ça s'appelle ? C'est un très très beau jeu. On peut pas dire le contraire. Bon, on va laisser. Allez, tape-moi un peu, toi. Voilà. Attends, je vais me laisser taper, je vais essayer de me laisser taper un maximum, rien que pour montrer mon éveil. Donc après, ouais, après, je trouve l'histoire un peu courte. Mais il y a un mode aventure hein, pour tous ceux qui voudraient savoir. Donc regarde, mode éveil. T'as encore une vidéo, ouais, tu vas te transformer. Voilà. Encore sous anneau. C'est ça qui est bien. Donc, chaque personnage a un peu son mode éveil. Voilà. Donc des fois, faut pas hésiter à se laisser taper, surtout en ligne. On va essayer de mettre la moitié de la vie de l'adversaire parce qu'en ligne. Ok, moi j'ai pas testé du tout le jeu. Hein. Donc je donne pas mon avis comme d'hab, c'est un Engen. Alors une note, grosso modo. Ouais, 17. 17, ah, rien que pour le fait que le mode histoire n'est pas assez. Ok, un 17 sur 20 pour Flo. Ouais. Allez, à plus. Bon, attends. Ah bah, on va finir le match quand même. Ouais. Hein. Un combat terminé. Ah là. Tu vois, il sent un peu chaud. Mais bon, sinon, ouais, c'est un très très bon. Alors là, tu te bats où en fait t'es à Konoha, me semble. Non, t'es au village du sable. Ah oui, t'es au village du sable, ouais, Yagara. Ou Yagara. Ah, exact. Tu vois. C'est moi qui se trompe. Alors, Flo, dis au revoir aux internautes. Bon, bah, salut, et à la prochaine pour un nouveau test. Hein. Allez, un nouveau test sur la PS4, très bientôt, ouais. Je pense. Hein.